Allez, cette fois, on se charge de faire pas mal de ménage dans la travée. On finit la partie de la voltige que l'on a commencée et on se donne d'autres objectifs par cette chaleur torride. Bon, maintenant on va pas forcément continuer notre lambris tout de suite, là notre petite voltige. On va s'adonner à une autre petite tâche, parce que notre cloueur, bah, comme je vous l'ai dit hier, il n'y a qu'une batterie et puis on a oublié de le mettre en charge cette nuit, donc il va falloir faire autre chose en attendant que ça charge et puis pouvoir continuer ce petit travail. Sachant qu'hier, on a rasé un petit peu le mur ici pour pouvoir mettre les prochains chevrons, bah il y a toute cette merde à dégager là. Et vu qu'il n'y a pas nos bons samaritains, compatriotes, agriculteurs qui sont dans le coin pour mettre leur remorque en bas et pouvoir tout décharger au compte-gouttes, eh ben on va devoir s'y adonner maintenant au seau en tant que bon tocard qu'on est, histoire de bien s'échauffer le haut du corps et puis être prêt à monter sur le toit et mettre les voliges juste après. Même dans la remorque, c'est bien rangé. Dispositif 4-4-2, la terre au milieu, les gros cailloux derrière pour pouvoir les jeter facilement à la déchette ou chez un artisan paysan. Et les moyens, petits cailloux, un petit peu d'air pour pouvoir les jeter facilement avec un peu de force, quoi. Follow this old river down to where the poppies grow and drink that cool water till I get my fill. Take me out past the mud and all the broken bones and watch the sun fall down behind the hills. I'm in love with a woman, and she makes me want to sing a song. I'm in love with a woman. J'appelle ça le nœud magique, mais si vous avez le nom du nœud, tu preneur quoi. Ouais, dites-moi pas, c'est un nœud coulissant, parce que ça, je le sais, les gars. Quoi. Merci. Ça fait déjà du bien à la pièce ce petit coup de ménage, mais je trouve que c'est pas encore assez. On va donner un petit coup de racloir pour bien gratter le sol et puis mettre un petit coup de balai histoire qu'on ait plus à repasser dans le coin pour nettoyer. Parce qu'une fois qu'on aura mis chevron, voliges et papier, ce sera un petit peu galère d'aller sous la pente de toit. On aimerait bien que ce soit un petit peu clôturé cet endroit. J'apprends à pouvoir attaquer nos petites voliges juste à ma gauche là. Putain, j'avais pas remarqué, mais franchement, maillot gore assorti. Si c'est pas la classe sur le champ entorse, je sais pas ce que c'est. Au top.
on en profite également pour faire un petit rebouchage toiture. Même si à cette période, ça annonçait du beau et du chaud, on se méfie quand même d'une petite averse. On n'a tellement pas l'habitude de ce beau temps que j'en transpire déjà comme un petit goré, quoi. J'ai l'impression d'être une flaque. On serait mieux à se baigner quand même que faire de la réno, non? Vous pensez pas? Donc là, on va reprendre notre activité volige. De là, on a fini hier jusqu'au fêtage. Et on n'a pas été con hier, on a déjà pris les mesures pour pas avoir à remonter pour prendre les mesures. Donc il y a 1,93 de là-bas jusqu'au milieu du chemin. Donc on va couper tout ça, et puis après on va aller fixer ça, tranquillou, comme des grands, comme je vous ai expliqué. Belle la seconde vie de la scie en équerre, mon gars. On va mettre notre engin en condition, prêt à charger, prêt à envoyer du sale. À part pour 4, mais je dirais 5. Il y a 79 jusqu'au bout du chevron. Donc 5, il restera 4 cm. À forte goutte de sueur. Bon, ça c'est fait, comme dit le chef. Il n'y a plus qu'à faire l'autre partie. Mais qui sera faite un petit peu plus tard, celle-là. Parce qu'on doit aller mettre nos chevrons qui manquent pour l'instant. Donc sans les chevrons, on va pas mettre le lambris, ça c'est sûr. Partie de plaisir d'enfoncer ces grandes enclumes dans les chevrons. Et jusqu'à la moelle. Bon, puis avant d'attaquer quoi que ce soit d'autre, on va s'abreuver un petit coup. Puis finalement, les prochaines missions, avant de mettre notre lambris, hein, et nos chevrons également, ça va être de défaire nos échafaudages, les démonter, et les faire passer de l'autre côté, là, pendant qu'on peut, dans le trou ici. Parce que si on le fait pas maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on les fasse passer par le bas, la trémie, qu'on aille de l'autre côté, qu'on les remonte par le dessus. Autant vous dire, si on peut se passer de ça, eh ben on va le faire. Thank you.
prochaine fois, on se donne rendez-vous dans la travée à côté pour commencer à préparer la mise en place de nos dernières pannes. Je vous fais une grosse bise et vous dis à tout bientôt.